Ça a du riz, ça tout, hein. Bonjour, Michida. Je voulais vous demander si vous c'est ça qu'on coupe en couleur soupe. La réponse, c'est la soupe. Oui, pour la soupe. Oui, oui, comme les pinards, là. C'est pas ça. C'est une communauté vietnamienne ou chinoise. Nous sommes des Indochinois, ma maman est chinoise, il y a des Vietnamiens, des Laotiens, des Cambodgiens, etc. D'accord. On est venus après Bien Ben Phu. Ah ok. Vous avez l'enseigne depuis 54, ils sont là. On est des Français depuis Napoléon III. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Donc vous êtes venu de d'origine, voilà. Moi c'est chinois, Hong Kong. Non, Canton. Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong c'est Canton. Ça va, d'accord. Il y a anglais, il y en a américain. Ah mais mon grand frère vous expliquera mieux. Mais pourquoi vous êtes venu ici en Parce qu'ils nous ont viré les Khmers. Maman, c'est à cause de vous là. On a perdu Guy Benfou. C'est vous qui les avez virés. On est venu à Noyon en 61, mais c'était la deuxième fournée. Auparavant, il y avait déjà d'autres familles qui sont venues avant nous. Et encore aujourd'hui, il y a encore des gens qui nous viennent du Laos ou bien du Cambodge ou bien d'ailleurs. Donc, hein. Et je me rends compte que depuis 61 jusqu'à aujourd'hui, Noyon est devenue une terre d'accueil. Et on voit beaucoup de gens asiatique, on va dire. Hein? Donc, hein, beaucoup de gens venant d'extérieur. C'est une bonne chose, on va dire. Moi, la première fois que je suis arrivé à Noyon, j'ai traversé les corons. Je me suis dit où je suis. J'étais dans un village vietnamien. Toutes les femmes en chapeau pointu. Les enfants assis par terre, sur la route. Voilà. On se frayait un chemin pour passer. On habitait entre le bourg et. Enfin, il fallait passer dans les corons pour entrer chez nous. On se frayait un chemin. Ils vivaient comme la. Comme là-bas, quoi. C'était incroyable. C'était vraiment, oui. On n'était plus. Il faisait beau. Ça avait même un certain charme le dimanche à la messe, les femmes qui venaient en kimono, en chapeau pointu, c'était... Il y avait des chants vietnamiens, oui, même à la messe. Ah oui, le curé jouait le jeu, il leur faisait chanter. Le curé de l'époque avait appris quelques mots vietnamiens et... La Vie Maria de Lourdes, elles avaient leur couplet. On chantait des couplets en français, on alternait un couplet en français, un couplet en vietnamien. C'était sympa. Hein. Tout le monde y était mis. Eh bien, on avait débarqué de Saigon, j'avais les sandales, une tenue estivale, on va dire, les chemises avec les manches courtes, affronter les journées d'hiver, eh bien, c'était rigolo. La première fois qu'on avait vu la neige, qu'on avait touché la main, et puis... qu'on mettait un verre la nuit et le lendemain matin on trouvait hein,
avec un verre complètement glacé, enfin avec un glaçon, là, l'eau qui s'est transformée en glaçon, là, c'est « what is it Vous n'avez pas l'air avec ça? Non, je suis chez toi. Je vais donner à Geneviève. D'accord, il est dans le garage. Non, mais c'est... Garine, pourquoi les rapatriés sont arrivés à Noyon? Il y avait un millier de mineurs à peu près dans les corons. Pendant la guerre, les mines ont été fermées. Les mineurs sont partis, bien sûr. Et il y a ces 240, je ne sais pas combien, logements qui sont restés vides avec un potentiel d'accueil, donc d'un millier de personnes à peu près. Et c'est au moment des événements de Dien Bien Phu, il a fallu rapatrier les Indochinois. On a mis deux familles ici, comme on a fait dans les années 60 avec les Pieds Noirs quand on les a rapatriés. Trois familles là, 10 familles là, et Noyon, il y avait une possibilité d'accueil d'un millier de personnes, donc on a amené un millier de Vietnamiens à Noyon, dans les corons, qui étaient des logements vides. Ça, c'est je sais pas quoi. Si, ça concerne les rapatriés aussi, hein, c'est la fête vietnamienne. Je ne sais pas laquelle. Vous vous rendez compte comment ça a changé la vie de Noyon, de passer de 1000 à 2000 personnes, avec la moitié des gens qui venaient d'une toute autre culture. C'était incroyable. Et ma maman me redisait il n'y a pas très longtemps, on leur a donné ce qu'on a pu. Ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que nous, on sortait de la guerre. La guerre venait de se terminer, on avait à peine de quoi nourrir nos familles. Donc on a fait ce qu'on a pu, et bon, bien sûr, peut-être qu'eux, ils auraient sûrement eu besoin de plus. Effectivement, je reconnais toutes les têtes blondes, là. On va dire blondes, hein, mais ce sont mes amis hein, que j'ai côtoyés il y a une cinquantaine d'années. Et aujourd'hui, je les revois comme si c'était hier, donc, hein, voilà. À vrai dire, à cette époque-là, j'apprenais par cœur tous ces adjectifs, tous ces compliments d'objets directs, indirects, pour moi, c'était du chinois. Mais nom de Dieu, il n'y a pas plus simple que me dire oui ou non, là. Et je me suis mélangé les pédales. Et en grandissant, je me suis dit, bon, voilà, la langue française, elle a quand même du bon sens. Moi, j'étais à l'école à Noyon, et dans les classes, on était 2, 3, 4, 5 maximum blancs français, enfin français d'origine du coin. C'était mon environnement, hein. C'était nos copains, c'était là, on a... Oui, ça faisait partie de la vie, ça faisait partie de la vie. C'est pas les enfants qui ont été touchés par cette modification, ça serait plutôt les adultes, voilà. À partir des adolescents. Donc les gens qui étaient nés... J'ai 1940, quand même entendu des réflexions d'adultes, même des gens relativement proches de moi, voilà, faire des réflexions sur les Chinois, les Nyakouais, c'était les adultes. Mais bon, moi, ça m'a pas... Non, ça, c'était naturel. Je vais rester 4 mois. Ah ouais. Ça va 6 mois, ça va.
Aujourd'hui, on a vécu tous ensemble dans le même village depuis une quarantaine d'années, voire une cinquantaine d'années. On se connaît tous les uns des autres. Parce qu'on a vécu la même histoire. On est venus dans le même bateau, on va dire. Et c'est les rapatriés d'Indochine. On va mettre toutes ces histoires, tous ces gens, toutes ces familles, ces enfants dans le même bateau et on les a ramenés en France parce que ce sont des gens de source française, on va dire. Donc, des gens provenant d'ici. Donc, ce sont des gens qui reviennent chez eux, finalement. Hein, et c'est ce que je ressens. C'est ce qu'on ressent tous, d'ailleurs. Hein, donc, hein, voilà. On se pose toujours la question, pourquoi ça en train d'être le baguette? On peut éventuellement manger comme ça, mais ce n'est pas évident. Regarde un peu dans le panda kung fu, là, comment ils font. Là, les pattes sautent et ils mangent directement. Regarde, on va coincer d'emblée comme ça pour que ce soit fixé. Et de ce fait, on peut mouvoir son index et le pouce. Par conséquent, les deux confondus, ça nous sert de pince, le pince du crabe, on va dire. Prends ton temps. Donc, on va faire comme ceci. Donc, sur ce, ça se passe comme chez McDonald's, celui qui parle de moi mange le plus. J'aime bien cette expression-là. Oh.